Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de me recevoir chez vous. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Je suis en compagnie ce soir de Roland Laouchi. Roland, bonsoir. Bonsoir Catherine et bonsoir à tous ceux qui nous font l'amitié de nous être fidèles aujourd'hui. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Assurer la sécurité des jeunes qui voyagent en transport scolaire, c'était l'objectif d'une opération de contrôle qui a eu lieu ce jeudi matin à Sainte-Marie et au Lorrain. Nous reviendrons sur la création de la Fédération des zones d'activité économique de la Martinique et sur les 26e rencontres gérontologiques de l'Âme d'Or 2000, l'association martiniquaise pour la promotion et l'insertion de l'âge d'or. Enfin, le 5K 2016, une course pour lutter contre la drépanocytose aura lieu ce dimanche 16 octobre au Diamant. Une opération de contrôle des bus scolaires menée par le service transport de la DEAL avec le soutien de la gendarmerie de Trinité a eu lieu ce jeudi matin aux abords des cités scolaires de Sainte-Marie et du Lorrain. Plusieurs infractions ont été relevées, parmi lesquelles des défauts de cartes de conducteur et des cartes de licence périmées. L'objectif était de s'assurer de la sécurité des jeunes qui voyagent à bord de ces bus scolaires en vérifiant non seulement la conformité des véhicules, mais aussi que les chauffeurs soient en règle. Et puis en matière de sécurité routière, notez qu'en Guadeloupe, les gendarmes pourront désormais utiliser un curvomètre pour identifier les scooters débridés, c'est-à-dire des scooters dont le moteur a été modifié pour réaliser de meilleures performances, en fait pour aller plus vite. Le curvomètre permet de lutter contre cette infraction et les excès de vitesse des deux roues. La Martinique n'est pas encore dotée de cet équipement. Roland, est-ce la solution, le curvomètre ? Oui, pour ce problème-là, c'est la solution. Mais je crois qu'il y a bien d'autres problèmes. Je veux dire, lorsque les gens les sifflent et qu'ils s'en vont quand même, ils doivent avoir un moyen de savoir qui c'est, quoi, de repérer, de savoir les retrouver. Bon, ça, j'avais déjà proposé des solutions dans le dialogue avec la presse, je peux revenir là. Ce que je veux dire, c'est que je vais taquiner un petit peu cette dame guadeloupéenne qui m'appelle assez souvent pour me dire que je suis toujours en train de comparer la Martinique à la Guadeloupe, etc. Ben, je lui dis, vous voyez, madame, vous avez un curvomètre, comme ça que ça s'appelle. C'est ça. Voilà, le curvomètre est en activité en Guadeloupe, mais pas en Martinique. Je ne l'invente pas, ça, vous voyez, ce n'est pas de ma faute. Donc, excusez-moi, c'est vrai, on a l'impression que la Guadeloupe est plus chouchoutée que la Martinique. Bien sûr. Le 7 octobre dernier, la première fédération des zones d'activité économique de la Martinique a été créée lors d'une assemblée générale au siège de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Jean-Pierre Bidot Deschopes, représentant de la zone des Mangles, a été élu président de cette fédération. Réhabiliter les zones d'activité économique, améliorer leur infrastructure, leur gestion opérationnelle, l'expérience client, mais aussi prendre en compte les impacts environnementaux non négligeables causés par l'activité économique. Voilà les ambitions des représentants des zones d'activité économique, les ZAE, réunis ce jour-là en assemblée générale au siège de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique à Fort-de-France. Apparues dans les années 60, les ZAE font partie intégrante du paysage de notre île et en ont compte aujourd'hui environ 70. Ce sont par exemple les zones industrielles de la Lézarde, Californie, Place d'Armes ou encore la Jambette. Elles représentent une part importante de notre économie puisqu'elles accueillent de nombreuses entreprises, artisans, commerçants, prestataires de services, salariés et clients. Aujourd'hui, elles sont confrontées à de nombreuses problématiques communes. La mission de la Fédération des ZAE est donc de rassembler les représentants de chacune des zones afin de confronter ces problématiques et coordonner les actions à mener dans le cadre d'une réhabilitation, comme l'explique Jean-Pierre Bideux Deschomes, représentant de la zone des Mangles et premier président de cette fédération.
Il s'agira notamment de résoudre les problèmes de circulation des biens et des personnes, de traitement des eaux, de sécurité ou encore d'éclairage. 7 membres fondateurs forment désormais cette fédération, parmi lesquels la CCI Martinique qui y siège de façon permanente. Le week-end dernier, la Banque alimentaire de la Martinique, qui collecte des denrées destinées aux plus démunis, a procédé à une vaste collecte sur notre territoire. Mais cette fois, il s'agissait non pas de recueillir de la nourriture, mais des fonds afin de couvrir les frais de fonctionnement de la structure et d'acheter davantage de produits frais pour les nécessiteux. On compte plus de 2 200 dons pour un total approchant les 11 000 euros, soit une moyenne de 5 euros par donateur. Un commentaire, Roland. Je veux véritablement rendre hommage aux gens de cette banque alimentaire. Ce sont des bénévoles en général. Ils font un travail absolument remarquable. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance en Martinique. Et je reviens sur cette idée qui est de planter les zones creuses, on appelle les zones creuses dans les villes, un peu partout, de planter des terrains en hauteur, s'il le faut, avec des étages, pour permettre une production agricole à destination de ces gens-là, qui d'ailleurs pourraient elles-mêmes, ces personnes-là, cultiver des choses, cultiver des tomates, cultiver des carottes, cultiver des laitues et tout ça, dans ces jardins. Ce serait une façon de les occuper, également une façon de soulager un petit peu la banque alimentaire. Alors ça ne suffirait pas, peut-être, j'en sais rien, mais ce serait déjà un début, quoi. Je milite véritablement pour ça. Merci, Roland. Les 6 et 7 octobre dernier, près de 200 personnes ont participé aux 26e rencontres gérontologiques de l'Âme d'Or 2000, l'association martiniquaise pour la promotion et l'insertion de l'âge d'or. C'était à l'Institut martiniquais du sport. Personnes âgées et transmission, c'était le thème cette année de ces 26e rencontres gérontologiques organisées par l'Âme d'Or 2000. Et c'est un événement qui s'est inscrit en avant-première de la Semaine Bleue dédiée aux personnes âgées. La transmission, c'est donc le sujet qu'a souhaité explorer l'association cette année, dans le but de changer le regard porté sur le vieillissement, de décloisonner les générations et de favoriser l'alliance des âges, le lien social, en montrant l'intérêt de reconnaître les richesses de chaque âge et de les partager. Ce sont donc près de 200 personnes, professionnels de la gérontologie, personnalités politiques, retraités, familles d'accueil et étudiants, qui ont participé à ces deux journées de réflexion et d'analyse. Et pour assurer la pertinence des échanges, l'Âme d'Or n'a pas hésité à faire appel à des intervenants venus de la Guadeloupe, de la Dominique, du Canada, de la France hexagonale et du Mali. Pour Micheline Rieux, psychogérontologue et directrice adjointe de l'Âme d'Or, ces rencontres ont été un succès. Les participants ont démontré par leurs interventions, témoignages et questions un intérêt très particulier pour le sujet. Elle espère qu'au moins ces journées auront contribué à changer le regard sur les générations aînées qui jouent un rôle ô combien important dans notre société. En attendant, l'Âme d'Or continuera de mettre en œuvre des actions pour favoriser les échanges intergénérationnels. Ce samedi 15 octobre, par exemple, l'association organise le 19e rallye mémoire Interage en partenariat avec la commune du Gros Morne et son centre communal d'action sociale. Roland, ce que fait l'Âme d'Or depuis très longtemps en Martinique est vraiment magnifique. C'est vrai, je suis très, très... Je trouve que ce qu'ils font est effectivement magnifique. Je vais surtout dire qu'on parle, bon voilà, et la Martinique sera âgée, il y aura beaucoup plus de seniors dans l'avenir, on parle beaucoup de ça. Mais il y a aussi le présent, il y a beaucoup de seniors aujourd'hui. Et l'Âme d'Or, c'est vrai, depuis des années et des années, fait un travail absolument remarquable et vous avez vraiment raison de lui rendre hommage. C'est vraiment, ça vaut la peine, quoi. Le rallye mémoire inter-âge, ce sont donc plusieurs étapes prévues sur un parcours de 3 à 4 km avec notamment un jeu de questions. La journée débutera à 7h30 par une activité physique pour l'échauffement des participants. L'après-midi sera ponctué par des conférences autour de la diététique et des bienfaits du sport. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l'Âme d'Or au 05 96 73 73 83, 05 96 73 73 83. Voilà. Je voudrais revenir 30 secondes sur l'Âme d'Or
pour dire que le nom de son directeur m'est revenu, M. Franz Rémy. Mm-hmm. Je l'ai rencontré, je l'ai connu à l'époque, on ne s'est pas vu il y a longtemps. Mais vraiment, c'est un monsieur extrêmement dynamique. Alors, il a forcément, j'imagine, des gens qui ne l'aiment pas. Et puis, il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Mais dès qu'on fait quelque chose, bon, on a des ennemis et des amis, quoi. Mm-hmm. En tout cas, qu'il sache que j'ai toujours été très admiratif de ce qu'il fait. C'est vraiment un gros bosseur et beaucoup d'imagination aussi. Il est très proche des personnes âgées. Mm-hmm. C'est comme ça que je l'ai perçu. La semaine dernière, les résidents de la Yole Grand Moon exposaient les objets qu'ils ont réalisés ces derniers mois. Un travail de longue haleine qui a nécessité beaucoup de patience et beaucoup d'amour. Dans le cadre de la semaine bleue qui s'est achevée le week-end dernier, l'EHPA de Châteaubœuf, la Yole Grand Moon, établissement d'hébergement pour personnes âgées autonomes, organisait une journée récréative autour de l'exposition des travaux manuels réalisés depuis le mois de juin par les résidents. Marie-Georges Noirand, aide médico-psychologique, a expliqué qu'en dépit des difficultés financières très présentes, l'EHPA propose toujours le plus d'activités possibles aux personnes âgées, des activités soigneusement choisies en fonction de leur centre d'intérêt. Sacs, paniers, objets fabriqués à partir de journaux ont donc fleuri ces derniers mois, un travail de longue haleine qui a été difficile à mettre en place à cause des rhumatismes qui se font sentir quand on prend de l'âge, à cause des doutes aussi de ces résidents qui manquent parfois de confiance en eux. Il a donc fallu beaucoup de patience et beaucoup d'amour pour aller au bout de ce projet et offrir une très belle exposition d'objets. Marie-Georges Noirand en a profité pour lancer un appel aux proches et aux familles des résidents qui ne sont bien souvent pas très présents. Elle a rappelé qu'il est important d'entourer nos aînés pour les empêcher de sombrer dans la solitude et l'ennui. Un aperçu de ce que ces résidents ont très joliment réalisé. Au Gros Morne, les animatrices de l'association J-Calais n'ont toujours pas reçu leur salaire du mois de septembre. Sans explication de leur direction, malgré leur relance, elles ont décidé de cesser le travail. Elles n'ont donc pas assuré les garderies ce jeudi pour les 7 écoles de la ville. Elles ont en tout cas réussi à attirer l'attention de la direction de l'association qu'elles doivent rencontrer vendredi matin. Une autre revendication, mais dans un secteur différent, celle des employés de l'habitation Thébault à Sainte-Marie. À l'instar de leurs collègues de l'habitation Fixi, ils ont entamé un mouvement de protestation ce jeudi 13 octobre. Ils dénoncent leurs conditions de travail et notamment le manque d'entretien de leurs locaux. À Sainte-Anne, la décision du maire de la ville, Jean-Michel Gémieux, d'enlever la statue de l'homme debout, installée par l'ancienne mandature aux abords de l'hôtel de ville, n'est pas du goût de l'opposition. Le maire lui a prévu d'implanter un chardin et un jet d'eau de façon à embellir la ville et à créer un espace d'accueil agréable pour la population. Pour lui, cette décision ne nécessitait pas l'approbation de l'opposition. Restons dans le sud où le 5K 2016 aura lieu ce dimanche 16 octobre au Diamant, plus précisément. Il s'agit d'une course solidaire pour lutter contre la drépanocytose organisée par l'enseigne de fast-food McDonald's en collaboration avec l'association ASAD 972. Le 5K, c'est une course de 5 km qui se déroulera au Diamant ce dimanche 16 octobre. C'est la sixième année consécutive que cette course est organisée en Martinique et elle traduit la volonté de l'enseigne McDonald's de lutter contre la drépanocytose. Lutter en courant donc pour soutenir les malades qui ne peuvent pas toujours exercer une activité physique. Cette course n'est pas seulement organisée chez nous, elle est aussi organisée en Guadeloupe, dans d'autres îles de la Caraïbe et dans de nombreux pays d'Amérique latine.
et l'initiative est un succès, comme en témoigne le nombre croissant de participants, de participantes plutôt, puisque cette course est réservée aux femmes. En Martinique, elles étaient 1500 en 2015, elles seront 2000 cette année et les inscriptions ont même dû être fermées plus tôt que prévu. 100% des fonds récoltés seront reversés à l'association Assad 972 qui lutte contre la drépanocytose et qui cherche notamment à améliorer le quotidien des malades, y compris lorsqu'ils sont hospitalisés. 7 250 euros ont ainsi été récoltés en 2015. Pour rappel, la drépanocytose est la première maladie génétique au monde. La science est à l'honneur jusqu'au 15 octobre. À l'occasion de cette édition 2016 de la Fête de la Science, l'Agence martiniquaise de l'énergie organise plusieurs manifestations. Hier, mercredi, le public a pu visiter le site du centre hospitalier du François, de la centrale photovoltaïque à la batterie de stockage de haute performance. Il s'agit d'un véritable laboratoire de recherche sur l'énergie. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.